Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, je me fabrique une serre. La base, ça sera la jardinière ici que vous voyez. Je vous remets le lien sur la fabrication d'une jardinière de n'importe quelle dimension, ici en haut et dans la description juste ici en dessous. Allez, c'est parti! Alors, pour la fabrication de la serre, on va utiliser des poteaux, ici de 70 par 70, et des lambourdes de 70 par 45 mm d'épaisseur. Alors, moi, le bac fait 2400 par 1200 mm, donc 2,4 mètres par 1,2 mètres. Pour la fabrication, je vais créer un châssis, tout le tour, les montants et la toiture. Ça fera comme une maison. La particularité de celle-ci, c'est que d'un côté de la serre, ça sera une ouverture totale. Je vous ferai voir avec les deux charnières. Bien, alors pour cette serre, je vous ai fait un petit croquis. Vous avez la base, on va fabriquer tout ça, la toiture, et il y aura deux panneaux escamotables, trois panneaux escamotables, pardon, sur le côté pour accéder à la serre. Rien de particulier, ici on a une toiture à 30 degrés, donc l'angle ici est à 60. Rien de particulier pour les découpes. Allez, on prépare les débits, et je vous laisse regarder l'assemblage du squelette de la serre.
Bon, la structure est maintenant terminée, c'est bien rigide. Il me reste juste à rajouter un renfort ici, de chaque côté, que de ce côté-là. Ici, ça sera la partie fixe, vous avez vu. J'ai pas mis de vis apparente, c'est côté pluie. La pluie tombe vers ici. Donc ici, ça sera protégé. On va faire les emboîtures ici pour venir mettre les plaques. Ici, une feuillure ici, avec un quart de rond ici au-dessus. On se retrouvera dans l'atelier pour la suite. Et de l'autre côté, il y aura une porte qui pourra se lever. Allez, on coupe les renforts et on continue. Bien, comme vous avez pu voir, maintenant la structure, ça y est, elle est terminée, c'est bien rigide. Elle est fixée par des longues vis, vous avez vu, au niveau du bac. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir mettre toujours de la lame de terrasse juste en dessous, comme ceci, ici et ici, comme ceci. Et dessus, on viendra poser mes plaques, la plaque ici de véranda pour venir couvrir ici le dessus comme ceci. Et voilà. Voilà à peu près la coupe que on va voir. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ici dans les lames de terrasse, on va couper des petites lattes de 2 cm de chaque côté, il y en a une, elle sera arrondie. Et ici, je vais mettre des vitres. Donc, j'ai réussi à couper un carreau. Je vais vous faire voir ça, comment on découpe un carreau, juste une petite astuce après derrière. Merci YouTube pour l'info, j'ai regardé, j'ai appliqué exactement ce qu'on me disait. Et voilà, ensuite on aura toutes les vitres ici qui seront posées de ce côté-ci, de ce côté-ci et de ce côté-là. Voilà, je fais ça et après on se retrouve pour la partie avant où celle-là, ça sera une partie amovible. Allez, on y retourne.
Pour la serre, j'ai récupéré du verre, du 5 mm d'épaisseur. Je vais le découper, c'est la première fois que je fais ça. Alors, j'ai déjà fait quelques essais, pour l'instant j'ai réussi. On utilise un coupe-carreau, classique. Lui, il faut le tremper dans du white spirit ou dans du pétrole. Bon, moi j'ai du white spirit. Ensuite, ce que je fais, c'est que on va venir lui placer ici un guide, comme ceci. Donc moi j'ai déjà tracé, je sais où je me retrouve, je vais venir placer mon guide ici. Et ensuite, on va venir en un seul trait, venir faire le trait ici avec le coupe-carreau. Ensuite, une pression et on casse. Allez, on va faire ça ensemble. Je vais vous rapprocher, comme ça vous verrez mieux. Surtout les lunettes. Bon bah voilà, après quelques découpes, ça y est, j'ai mes vitres. J'ai même réussi à couper ici, dans ce sens-là, les vitres que vous verrez dans la serre au niveau du triangle. Donc là maintenant, on va pouvoir installer ces vitres. Comme vous avez pu voir juste avant, j'ai installé l'entourage en bois. On va venir installer les vitres. Et ensuite, on vient mettre un pare-close devant, un petit garde-rond que j'ai réalisé, comme vous avez pu voir, à la défonceuse et à la scie. Tout ça avec des lames de terrasse. Allez, on continue, on installe ça dans la serre. Bien, dans les petites astuces, j'ai le toit qui est incliné à 30 degrés. Je vais découper tout le tour pour faire les garde-ronds qui viendront s'appliquer sur ma fenêtre. Ma machine ici, j'ai de 0 à 45 degrés. Je dois faire un angle de 60. Du coup, je ne peux pas incliner la machine plus de 45 degrés. Et bien, tout simplement, on coupe une pièce à 30 degrés. Vous allez comprendre, c'est cette cale ici. J'ai placé ma cale, elle est débitée à 30 degrés. Ce qui fait que quand moi, je viens avec ma pièce, je viens l'appliquer contre cette cale-là, je règle ma machine à 90 degrés ou 0 degrés sur l'indication, parce qu'elle est perpendiculaire à ma butée. Je viens la couper, ce qui fait qu'ici, j'ai bien mon angle de... Ma pièce est inclinée à 30 degrés, j'ai bien mon 60 degrés de coupe. Ce qui fait qu'ici, j'arrive, je peux mettre ici ma coupe de chaque côté. Et ce qui me permet de dire que ici, quand je viendrai assembler, j'ai bien ma coupe avec un angle de 30 degrés de pente. Et ici, ma coupe est parfaite. Allez, on continue. Je finis ça et on installe les carreaux. Bien, bon, on se retrouve pour la suite. Vous avez vu, ça y est, la serre, la structure est faite, les carreaux sont installés. Maintenant, on va faire l'autre partie où là, on aura
l'ouverture totale sur cette partie-là. Comment ça va se composer? En fait, sur le haut, vous allez avoir les charnières, comme ceci, qui vont pouvoir monter le panneau, ici comme ceci. Ce panneau, ben, comment il est composé? Ça sera une pièce de bois, une autre pièce de bois, et on prendra en sandwich la plaque de polycarbonate transparente. Ça, c'est pour la partie du haut. Et pour la partie du bas, il y aura une équerre avec une pivot et ça viendra s'incliner. Donc si je simule, ça c'est la partie haute. Ici, il y aura une équerre sur le côté. Ce qui va se passer, c'est que ici, je serai comme ceci. Je lève, ici il y a une articulation et hop, ça viendra s'ouvrir comme ceci. Allez, je vous fais voir ça en vidéo pendant la fabrication. On comprendra mieux. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, petit souci technique, j'ai perdu tout l'enregistrement des vidéos pour la fixation de ceci. Donc je vais juste vous décrire comment j'ai procédé. En fait, une fois que j'ai fabriqué ça, je suis venu fixer ici mes deux charnières. J'ai refabriqué un deuxième cadre qui sera articulé avec ici deux petites équerres. Je vous ferai voir ça de plus près. Ensuite, je suis venu fixer cette barre, cette traverse qui me servira de butée. Pourquoi ? En fait, pour la manipulation, j'arrive. Là, j'ai déjà mis la plaque. J'ouvre, la serre complètement. Et je viens me mettre ici, en butée. Je vous fais voir avec la plaque. La plaque ici, elle sera inclinée. On va le fixer juste après. On arrive, on ouvre ici notre serre. Jusque la butée ici. Et voilà, la serre est ouverte. Allez, cette fois-ci, on continue, on fixe les deux autres panneaux, on met les butées du bas et on se retrouve pour la conclusion tout à l'heure. Allez, c'est parti! Bien, ce projet est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On a passé là le cap de plus de 60 abonnés. D'activer la petite cloche des notifications juste en dessous pour suivre toutes mes aventures. De mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça motive le créateur. Et à la prochaine! Allez, ciao !